Salut à tous mes petits amis, salut bienvenue sur ma chaîne YouTube Morgan James Gris. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle unboxing. Unboxing sur le steelbook de Fast and Furious 8. Que j'ai préféré prendre l'édition steelbook normale. Je travaille à Auchan. À Auchan ils ont une exclusivité steelbook. C'est exactement le même, ça vous avez juste la voiture ici, vous avez un grand 8 en fait. Et le steelbook est marron donc j'ai préféré prendre le normal parce qu'il est un peu plus classe on va dire. Ayant vu en boutique l'exclusivité Auchan marron ou vert et tout, celui-là il est beaucoup mieux. Le seul reproche que je peux faire à cette édition, c'est que l'édition Steelbook, ils nous disent qu'on a l'exclusivité à télécharger la version longue inédite du film. Donc on a la version longue du film, mais en téléchargement, donc c'est un peu nul, je trouve. Donc allez, c'est parti. Donc oui, j'ai pas les steelbooks des anciens films. J'ai juste acheté le coffret avec les 7 premiers films pour attraper mon retard. Hein. Mais celui-là, je me suis dit bon, tant qu'à faire. En plus, il y a 20 balles, le prix d'un DVD, du DVD en fait. Donc c'est pour prendre à 20 balles le film, autant prendre l'édition steelbook directement. Hein. Hop, mais on va enlever le plastique de merde. Alors, on va enlever hop l'étiquette qui est ici. Donc, on n'a pas de gravure dessus. Enfin, on n'a pas le petit logo Blu-ray et tout. Ça, c'est bien. Et le derrière se présente comme ceci. Donc, vous avez toutes les voitures sur la glace avec le sous-marin. Il est vraiment joli. Hein. Ça fait métallisé. Ça fait métal. C'est un très joli couleur pour un steelbook. Donc on se retrouve avec hop, le fameux code. Ils ont également un papier de publicité, Fast Furious Live. Donc c'est un tout le spectacle. Voilà. Et on se retrouve avec le Blu-ray seulement. Donc c'est juste un steelbook Blu-ray, pas combo Blu-ray DVD. On se retrouve avec le même dessin sur le CD, sur l'intérieur. L'intérieur du steelbook. Et exactement pareil que derrière. C'est un peu con. C'est un peu con. Mais bon, c'est mieux que rien à voir. Donc voilà, petits amis, c'était un unboxing vite fait sur le steelbook de Fast and Furious 8. J'espère que ça vous a plu. On se dit très très bientôt. Allez, salut!